Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Coloriage, j'ai terminé aujourd'hui ma chinoise à l'aquarelle. Donc nickel, elle est superbe. Alors on m'a posé la question, alors c'est Véronique je crois si je me trompe pas, qui me disait de dire ce qu'il en était pour le gondolage après séchage, c'est pas facile à dire ça. Donc c'était encore un peu gondolé. Alors je pense que c'est parce que j'ai utilisé un peu trop d'eau sur mon papier, car aujourd'hui vous verrez puisque le dessin est sur deux pages. Là où j'ai utilisé ce que j'ai fait aujourd'hui est moins gondolé. Donc je pense qu'hier j'ai utilisé un peu trop d'eau. Et donc du coup ça gondole encore un peu. Donc le gondolage va rester, à moins que je donne un petit coup de fer, mais bon, ça ne sert à rien. Hein. C'est un livre de coloriage, je ne vais pas m'amuser à le repasser. Juste maintenant je sais que les prochaines fois. Utiliser un peu moins d'eau. Voilà. Donc là il est nickel dans tous les tons pastels. Le rendu est très beau. Donc j'ai colorié entièrement, enfin tous les dessins des deux pages. Les orchidées, enfin oui je crois que c'était des orchidées. La chinoise, la petite cage à oiseaux qu'il y avait sur le côté et tout. Donc, j'ai tout refait. Et elle est très belle. Voilà. Donc, je vais vous laisser regarder, visionner donc cette deuxième vidéo. Et donc, c'est la fin de ce coloriage. Donc, il n'y aura pas d'autres vidéos pour celui-ci. Je ferai d'autres coloriages. Bon, je ne sais pas quand. Peut-être dans la semaine, je referai un ou je verrai. Dans ce cas-là, je ferai, pour essayer, je ferai avec ma palette d'aquarelle pour essayer du coup, puisque là j'ai fait avec les crayons aquarelle, les crayons de couleur aquarelle. Alors, les crayons de couleur aquarelle, je peux également les utiliser à sec. Hein. Donc, je ferai aussi un coloriage comme ça, aussi à sec. Pour voir le rendu, pour voir ce que ça donne également, pour voir avec ces crayons, la Zenacolor, ce que ça donne en les utilisant à sec. Voilà, voilà, voilà. Bon, à part ça, j'ai rien fait d'autre aujourd'hui. Si, un peu de couture tout à l'heure, ce matin, pour mon chouchou, il y avait des ourlets à faire, donc j'ai fait les ourlets. Voilà. C'est pour ça que la machine à coudre n'est pas rangée. Comme j'ai encore un pantalon à lui faire, je le ferai demain. Donc, j'ai pas rangé. On a eu de la neige tout à l'heure. Bon, là, ça s'est arrêté, mais il nous en annonce encore. Donc, mais bon. De toute façon, elle tient pas, tant mieux. J'aime pas la neige. bon, j'espère que cette nuit, il va pas. Tomber. 10 cm de neige quand même. Parce que demain, j'ai un rendez-vous médical demain. Et de toute façon, s'il y a trop de neige, et comme ils ont annoncé du verglas, s'il y a neige et verglas demain, Lilith, elle reste à la maison. On verra le rendez-vous médical un autre jour. Hein. J'ai pas envie de me péter la tête, la tranche en voiture pour un rendez-vous médical. Que je peux remettre. Voilà. Allez, je vous laisse visionner cette vidéo.
Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous, bon visionnage.